aujourd'hui, on ne voit plus les viandes sacrifiées aux idoles. Quelles sont ces viandes-là? Lorsque les enfants de Dieu à se retrouver dans une église, il y a la doctrine de Balaam. Sachez tout simplement que toute parole qui sort dans cette église, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Mama Yokangai Malam, toute église qui adore l'argent, c'est une doctrine de Balaam. Moté ya zozo tamuke ya kote ya kaka mbongo pesa mbongo appel de fond mbongo mbongo, c'est la doctrine de Balaam. Deuxième chose, c'est le mélange. Elingi kolobani le mélange. Il y a certains pasteurs, aza pasteur na ministère mzamba bengaye, mais asangisa koto azali na bonzamba zo sangisa nzambe na bakisi na ye. Il est dans l'occultisme, koto yo il est aussi pasteur. Il est en train de mélanger Dieu avec le diable. Dans cette église, si vous y entrez, maman, même si le pasteur prêche la parole, azali ko passo la même mité ma batou. Sachez tout simplement tout ce que vous mangez. Les gens qui ont mangé la viande sacrifiée aux idoles, c'était bon. Se prostituer. Les femmes là, ce sont les églises. Une femme représente hein, l'église. On ne vous dira même pas que non, ah, mais tu sembles un zamba solo, tu sembles un zamba solo. Bango pe ba toi balwa na ba, il va qui va sembler un zamba solo. Mais c'était pas les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël ne peuvent jamais accepter une doctrine de Balaam et contre la carte église. Ce qui kaka koti, lui c'est reti. Vous savez, Dieu, Bible écoute solo, ba même David lorsqu'il a tongé le temple, abanda ko yebisa lobi, mais ce ngana banda otambola de tant en tant, ba nini, mais ma miracle banda sale. Dieu descendait dans ba tente. Il dit que ceux qui sont bouchés en gar, bouchés moi mandala, l'année n'a pas occupé. Tala, Dieu, on ne peut pas les corrompre. Dieu, quand il s'attaque, il n'y a pas de temple, le loto à bien, on n'y a pas de temple à tirer la présence de Dieu. Non, ça ne va pas tirer la présence de Dieu. Une autre chose, alobi, de même toi aussi, à ce continuer par des marques dans cette église, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que les églises comprennent au moins que signifie la doctrine des Nicolaïtes? Non, papa. Nicolaïte signifie tout simplement Nikao Lao. Nikao Lao signifie conquérir les peuples. Dieu n'a jamais envoyé qui que ce soit pour aller conquérir les peuples. Dieu nous demande de gagner les âmes. Dieu n'a pas besoin de gagner les hommes. Dieu a besoin des âmes. Il y a une grande différence. Maman a expliqué prochainement.